Bonjour tout le monde. Oui, j'avais des doutes. J'ai eu un doute horrible de me dire est-ce que j'ai remis ma toile de fond pudiquement. Que vous voyez pas mon bazar domestique. Alors l'intro, là, je l'ai passé parce qu'on l'a déjà vu. Je vous la remettrai plus tard, l'intro. Mais pour ceux qui voient tous mes épisodes, revoir à chaque fois la même intro, c'est pas forcément agréable. Alors attendez, je suis pas totalement prêt. Je vais restaurer ma sauvegarde, mais c'est mon... Ah merde, c'est... Oh, il faut que je me fasse une sauvegarde de reprise de direct. Parce que là, il faut que je regarde l'heure. 12h40, qui était le plus récent. Alors... Voilà. Là, je vois mon chat. C'est le plus important que vous puissiez interagir avec moi. Et que je vous réponde en direct sans vous mettre devant. Ça se fait pas. Voilà, je suis dans l'obscurité, je suis dans les ténèbres. Ah, je connais qu'un sort, enfin par cœur, c'est celui-là, c'est allumer les torches. Enfin, allumer tout ce qui est inflammable à proximité de moi. Ça y est, je sais déjà plus comment on joue. Voilà. Ah! Je sais plus ce qu'il fallait que je fasse. Je me suis entretenu avec le roi qui m'a donné pour mission d'aller voir les trolls déboucher le passage. Comme c'est des costauds, les trolls, ils ont accepté. Donc je suis en paix avec eux. Et j'avais une quête nouvelle, c'était retrouver une statuette d'art des trolls. Je crois savoir où il est, mais je sais plus comment je fais pour rejoindre. Lui, il va mal me parler. Voilà. Monsieur est toujours aussi agréable. Oh, j'ai une torche, mais pour le petit passage dans l'obscurité que je vais faire, ça vaut pas le coup. Ah, faut pas dévisser en contrebas. Hein. Merde, je sais plus, je venais d'où. Faut que je retourne chez les gobelins. Les gobelins. Ça y est, je vois, je vois, je vois où est-ce que je dois me rendre. Un miracle, vraiment un miracle. Eh oh, laissez-moi passer. Moi, besoin d'action. Bah, pas moi. Et voilà. Merci, monsieur. Ah, c'est à moi d'actionner. Je croyais qu'il allait avoir l'élégance et la politesse de me... Pardon, mais il me parle très mal. Je veux passer, salopard. Non, mais dis donc, vous. Ah, oh, il est pas chiant pour 3 sous, lui. Excusez-moi du peu. Vraiment désagréable. Je crois que c'est par là-bas. Non. Non, non, non. Je suis en train de me perdre. Bonjour, Christella. Ah non mais c'est, oserais-je dire, viril entre nous là. En niveau diplomatie, hein, ces loustiques là, c'est zéro pointé. Ils font tout pour te courroucer. Voilà, c'est là que je voulais me rendre. C'est là-bas qu'il y a une sculpture d'art troll. C'est en bas. Merde, qu'est-ce qu'un rat vient faire ici? Attends, je me bats avec quoi là? Comment je fais pour sortir mon arme? J'ai pas dégainé. J'ai peut-être pas d'arme. Attendez.
Le rat, il risque de me chercher des poux, alors. Oh, c'est qu'un rat, je vais y aller au gourdin. Mais non, mais je veux pas acheter le truc, je vais l'utiliser, patate. Je sais plus comment je fais pour basculer en mode combat. Ah, c'est comme ça. J'ai retrouvé la touche. Il est méchant ou il est gentil? Non. Non, il est méchant. Méchant! C'est vrai que l'animation de l'agonie du rat, on s'en lasse pas. Bon, ce rat a même pas de, il y a même pas de gras, de, il y a pas de côtelette de rat. Il y a... Oh, il pêche le mec. D'accord. C'est quoi ça? Ah, c'est une autre œuvre d'art. Ah. Poisson frais. Ah non, mais le mec, en fait, c'est un artiste. Attends, il faut que j'aille le voir et que je négocie une œuvre d'art avec lui, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le son roi aimerait avoir plus d'œuvres d'art. Il est où, le bla? Waouh. Monsieur Troll, sa mort, excusez-moi de vous déranger. Alors, j'ai peur que le vent ait totalement couvert les voix des dialogues. Alors déjà que les mots de passe, les dialogues en bas en sous-titres sont très fins et lisibles. Je vous récapitule l'échange que vient d'avoir. Le malheureux est isolé parce qu'il est dépressif. Il bossait pour... Donc c'est un troll qui bossait pour les gobelins. Vous l'aurez compris, c'est un artiste, ce troll. Il est en pleine dépression, le pauvre. Il est tout seul, mais heureux d'avoir gagné sa liberté. À pêcher tranquille dans son coin, et voilà, il a sa grotte où il fait ses œuvres. Il a un autre ami qui travaille toujours pour les gobelins, et bon, il peut pas le voir, il est très triste. Et jour exceptionnel pour lui, c'est son anniversaire. Donc le héros que j'incarne déclare bien vouloir devenir son nouveau copain, et l'autre pas fou lui dit, ah bah c'est une quête toute trouvée, hein. Le pas fou lui dit, toi mon nouvel ami, je suis content, mais c'est mon anniversaire, tu m'offres quoi? Donc faut lui trouver un cadeau. Et je pense qu'une fois que j'aurai toute l'amitié de l'intéressé, je vais pouvoir lui parler de du souhait de son roi d'avoir davantage d'œuvres d'art
Donc je pense qu'il viendra à terme retravailler avec bah, ceux de son espèce, de sa colonie, si je puis m'exprimer ainsi. Ça se tient, ça se tient. Il devrait manger quelque chose. Merde, mon perso a faim, d'accord, mais c'est surtout la quête que j'aimerais... Oh la vache, les dédales. Oh là 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 là. Oi, oi, oi. Oh les jonctions de niveau L1, L2, L3, L1, L3. Il y en a de ces trucs. Dupliquer machin, c'est LED. C'est où j'ai le journal des quêtes? Ah merde, je sais plus. Oh, oh les cartes. T'as le boxon de la surface. C'est quoi les croix? Ah, Gary banquier. Maria l'épicière. Ah oui, c'est les commerçants. Attendez, je découvre les cartes du jeu là. Alors, sous-sol 3, je sais même plus où est-ce que c'est. C'est. Wow. Oh, les dédales. Ah, le 4, je connais rien du tout. Le 5 non plus, le 6 non plus, le 7 non plus, le 8 non plus. Donc, je connais que les 3 premiers sous-sols. Enfin, oui, si le 1 compte comme un sous-sol, parce que c'est en grande partie déjà sous terre. Il n'y a pas grand-chose en plein air. C'est en partie presque, la presque surface. Le sous-sol numéro 1. Eh ben, dis donc. Mais... Ouais, le coup du cadeau, il va falloir que je ruse. Pour lui offrir un cadeau, ça va pas être de la tarte. Un jeu gobelin. Et ben voilà un beau cadeau. Le mec il chope le premier truc. Je pourrais presque hein. Attendez. Ouais mais j'ai plus de place dans l'inventaire. Ouais non, le truc honnêtement je peux même pas le prendre. Oh la vache, le... Putain le machin. Ah oui, mon inventaire. Je vais peut-être repasser à mon entrepôt, moi. Voir que je me vide les poches, ça va pas. J'ai beaucoup trop de trucs. Ouais, avant toute chose, je vais retourner dans ma réserve qui est pas trop loin. Il faut que je redescende. Un étage plus bas. Ouais, j'ai mon rangement là-dedans. Pardon. Hop là. Ah, il est chiant quand il dit j'ai faim, j'ai faim. Oui, c'est vrai que je suis à l'orée de la mort, j'ai plus de vie. Faut que je mange, je conçois. Quoi? Hein? Même moi j'ai du mal à revenir mon inventaire. Il est où mon copain? Parce que j'ai un copain qui est vivant normalement. Pourquoi je le vois plus? Alors ça c'est ma réserve. Ouch. Voilà, ça c'est ma planque à moi. Attendez, je suis inquiet parce que je vois plus mon... Il s'est fait la malle, mon compagnon humain. Mon ancien voisin de cellule, il s'est barré. Je me souviens plus dans la narration. Ok, je suis mort. Merde, j'ai pas sauvegardé du tout. Oh merde! Oh, il faut que j'ai le réflexe de sauvegarder. Je me sentais tellement en sécurité en train de déambuler peinard que... Oh, quel idiot, je me retapais tout le chemin, je suis désolé. Ah, j'étais en train d'essayer d'anticiper les actions à mener dans l'heure qui suit et j'ai complètement oublié. Mais oui, c'est fou ça, parce que je démarre ma sauvegarde, j'ai la barre de vie quasiment complète.
Et j'ai tellement crevé de faim que j'en ai perdu la vie. C'est horrible. Ah, merde, Oum. Alors, attends. Maintenant, je vais me déplacer plus vite parce que je sais où aller. Ah oui, j'ai bien vu. Il y a une araignée en bas. Je voyais quelque chose bouger, je comprenais pas. La 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 la. Youhou. Ah. Et ben je suis, voilà, une fois de plus, je m'auto-congratule. Je suis ravi de la bonne qualité de ma mémoire. Et je me souviens de par où faut passer. Revenez à la fin du jeu, vous allez voir, je vais être complètement largué. Quand il y en a les 8 sous-sols, je vais être complètement perdu. Pardon ? J'ai mal entendu ou il a dit fait chier ? Faudrait que je réécoute le ralenti déjà, là, je... Bon, si monsieur veut bien... Hein ? Et voilà. Merci. J'ai dû mal entendre, je sais pas, je... Retue une scène. Oui, t'as entendu pareil, Christella ? Ok, bon, bah... Un authentique malotru. Y'a plus de doute. Oh, une scène. Oui, bah il nous rejoindra bien plus tard, hein, l'intéressé que tu désignes, une scène. Là, il a des fêtes en famille. Donc, théoriquement, j'étais censé démarrer un direct avec lui à 15h chez lui, là, sur son antenne, mais à mon avis, ça va être reporté de plusieurs heures. C'est bien, ça change un peu. Alors, attends, je vais vous refaire le dialogue avec l'artiste, là. Le coup où il pleurniche d'être tout seul. Je sauvegarde après ce dialogue. Et oui, du coup, on peut passer par là aussi. Oui, c'est une alternative. Et là, je me fais bobo si je descends. Aïe, oui, je me suis fait bobo, merde. Il s'est tordu les chevilles, mon perso. Mais ça va plus vite. Moi, Gru. Moi ici parce que tu t'es comme des trolls. Je veux pas travailler pour Gobelin. Aime pas Gobelin. Gobelin petit. Gobelin fourbe. Gobelin pense troll stupide. Alors, vivre ici. Seul avec poisson. Poisson va me donner d'ordre. Et moi, manger. Si je comprends bien. Les trolls travaillent pour les gobelins. Bon, moi des trolls, je prends pas chez Gobelin. Gru déteste Gobelin. Gru préfère rester ici, libre. Pas d'ordre, pas de travail. Gru fait une fin. Gru fait statue. Gru. Aujourd'hui, c'est jour d'anniversaire de Gru. Mais Gru seul, pas avoir ami. Pas avoir cadeau. Seul ami Gru. Pour Waka, être en dessous. Travailler pour Gobelin. Gru triste. Eh bien, nous pourrions peut-être devenir amis. Vraiment. Toi vouloir être ami de Gru. Moi avoir nouvel ami. Alors, ami de moi, quoi offrir pour l'anniversaire de Gru? Un cadeau? Je vais voir ce que je peux faire. Alors, à la première édition, j'avais le vent des cavernes qui couvrait sa voix, et c'est pour ça que je vous avais fait une, on va dire, un résumé de l'échange du dialogue. Et là, alors c'est bien, on voit l'intelligence de la programmation de l'époque de l'équipe de développement, où la caméra suit les personnages qui continuent à faire leur vie. Donc là, c'était vachement sympa, l'espèce de travelling de cinéma. Ou non, c'était excellent. J'ai bien aimé. Et manque de bol, il y a sur un plan, il y a eu la cascade qui a complètement couvert. Alors, heureusement, c'est la partie la moins intéressante du dialogue, de l'échange. Mais enfin, bref. Mais cette deuxième version est bien meilleure que la première. Donc, ça y est, j'ai déclenché la quête du cadeau. Moi, mon souci... c'est de vider mes poches, gérer mon inventaire, et puis de caler ma faim, parce que je suis en train de perdre de la vie. Attendez. C'est fou, ça.
Voilà, j'ai mangé deux pommes. Potion de soin, j'en ai trois. J'ai pas comme une potion de soin, si. Une fiole de vin. Ouais. Je sais pas si ça peut aider. Un poisson cuit. Allez, hop. Ah, voilà. Ah, ça va mieux. Un fromage. Allez, un repas complet. Bien équilibré, c'est beau. Une miche de pain, hop. Bon, j'aurais dû finir avec les pommes en tant que dessert, mais il aura fait le truc à l'envers. Ah. Là, qu'ils me disent pas que mon perso meurt de faim. Le pauvre, il est peinard dans sa caverne. Il joue de la flûte. Ah oui, merde, je me suis pas battu contre le... Salopard. Mais... Trop rigolo. Incroyable. C'est le rat de la tristesse. Il a aucune chair. Il n'y a rien à raconter sur ce vilain rat. C'est fou. La réserve que je vide de mes poches. J'ai trop de trucs sur moi. Il y avait quoi là? Ah oui, non, il y a eu une baston. Il y a... C'est le bordel ici. Il y a eu une bataille. Vache. Alors, par endroit, je peux ramasser des morceaux de bois. Et je ne sais pas si ces morceaux de bois, je peux les transformer en torches. Bon, le... Pour le moment, j'utilise pas de torche et j'en ai une dans l'inventaire. C'est mieux que rien, on sait jamais. Si je me retrouve dans un endroit véritablement sombre. Voilà, je vais m'approcher de la... De la réserve. La 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 la. Mince, j'ai oublié, mais ma réserve était là. Hop là. Alors. Symboliquement, je peux ranger la farine dans le sac de farine. Ah, c'est un truc, c'est limite s'il faudrait pas que je le fasse hors direct. Parce que ça va être chiant. En plus, je sais pas si je peux. Ouais, je suis désolé, ouais, c'est vrai que c'est vraiment chiant. Déjà que j'ai du mal à manipuler l'interface. Mais non, mais... Oh là 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 là. Mais il se paye de ma tête, le jeu. Pourquoi j'ai pas le droit de manipuler ma farine, moi? Oh! Oh, j'ai fait de la pâte de pain! Ah, la fiole d'eau avec la farine, il suffit de les mélanger. Est-ce que je peux... Ah, c'est comme ça qu'on fait les mélanges. Ah! Alors attendez voir. Est-ce que je peux cumuler les. Putain, même l'os, oui, j'en ai rien à péter. L'os, je vais le mettre là, mais. Est-ce que je peux cumuler les miches de pain, oui ou non? Apparemment, non. Oh, le boxon! Voilà, c'est. Ah, et moi, je récolte du. Mais non, mais non, mais non. Ah, ça clignote les... Attendez, je suis en train d'apprendre le jeu. Quand on se saisit d'un ingrédient, dans votre inventaire clignotent les autres objets avec lesquels vous pouvez avoir des interactions. Ça, c'est très intelligent. Ça, ça me plaît beaucoup. Donc si je vais rechercher de l'eau au niveau de mes fioles, je peux refaire un cycle de pâte à pain tant que j'ai de la farine. Tout ce qui est plus logique. Là, je me suis fait plusieurs miches de pain. Est-ce que je peux récupérer celle-là? Oui, j'en suis à 7, du coup. Est-ce que j'ai de l'eau à proximité de moi? Non. Non, non, non. Faut que j'aille plus loin pour accéder à de la flotte. Mais 7 miches de pain, franchement, c'est déjà bien. Donc, le reste, je vais le ranger dans le sac. Si j'y parviens. Mais non, mais ça c'est une épée. Oh là 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 là.
De la farine. Oui, merci. Non, c'est pas la bonne sélection. Ah! Non, je comprends pas pourquoi. Il y a une subtilité dans le fait de cliquer dans le jeu. Il doit y avoir un clic léger et un clic long, mais je le maîtrise pas. Je le devine, mais j'arrive pas à maîtriser le jeu. Je suis désolé hein, si ça fait à rallonge ma gestion d'inventaire, mais je suis à la peine. Je vais garder un peu les vivres là-dedans. Champignons, je vais garder. Ouais, le rat, je finirai par cuire ça. Qu'est-ce que je peux déposer? Ah, il faut que je sois malin. Faut que je sois malin. Une hypomée. Le nonos, je vais le mettre là. L'hypomée, je sais pas quoi en faire pour le moment. Là, j'ai le pilon pour faire de l'alchimie, on sait jamais. Là, j'ai mon truc pour forcer des serrures. J'ai encore un autre nonos, je vais le garder là. Par contre, mes armes en fer forgé, je les conserve. Parce que le problème, c'est qu'elles peuvent casser. Et je sais pas encore les entretenir. J'ai mon action de mine goblin, je vais la garder dans la réserve, mais un autre contenant. Le pieu, je sais pas à quoi me servira. Champignons, pommes, fromage. Oh la vache, j'en ai des trucs. Ouais. Allez, les deux poissons cuits, je vais les ranger, ça me libère une case. Et là, c'est bête, mais toute ma santé est revenue. Fallait vraiment que je mange un repas complet équilibré. Le jeu est d'une logique implacable. Le tonneau, là, voilà, j'avais des vieux trucs, là. Oui, mais oui, j'avais des notes. J'avais un boxon. Alors là, je vais ranger le pieu. Je sais pas en quoi le pieu pourrait m'aider. Pour le moment, je chasse pas les vampires, hein. Enfin, le plus tard possible, j'espère. C'est là où il y a un vampire dans le jeu, je vais flipper à donf. Le rubis, il m'encombre. Il a une forte valeur, mais... il me prend une case d'inventaire, donc c'est pas maintenant que je vais le vendre. Je garde. Le gourdin, il va vite péter. La pioche, ouais. Eh ben, difficile gestion d'inventaire. Hein. Vraiment. Ça déconne zéro. Hein. Ça déconne zéro. Voilà, le pilon, là, je vais le mettre là. La petite dague, je vais la mettre là. Oui, c'est vrai, j'avais même des cuisses de poulet à manger. Oh là là, le luxe. Bon, bah, tranquille. Tranquille. Eh ben, je vais sauvegarder ça. Je vais écraser mon merdoum. Alors, là, j'ai envie de dire, la suite de l'aventure démarre pour de bon. Réfléchissons. L'autre, il veut un cadeau. Il faut que les autres déblaient le passage. J'essaie de me souvenir aussi de la voirie, si je puis dire. De où est-ce que je peux aller. Là, je leur avais démoli la bouche. Il n'y a plus de survivants. J'ai réglé mes comptes avec ces abrutis. Donc, autant dire que leur royaume m'appartient. C'est presque même dommage qu'il y ait... L'horreur. C'est même dommage que... qu'il reste trois champions gobelins. Parce que si je leur casse la figure, pardon, mais... Je pourrais revendiquer leur territoire.
Mais je pourrais peut-être avoir besoin de ces champignons gobelins, donc je vais pas leur casser la bouche. Bonjour Olive, qui es-tu? Coucou les gens, je préviens juste, je suis en lurk. La semaine a été chargée, je suis vidé, vraiment vidé. Des bisous. Oui, bisous, il n'y a pas de souci, Olive. Ah, tu vois, t'as du bol quand même, t'as un chameau savoyard. Oui, bon repos à toi, Olive. Oui, voilà, dans l'heure qui suit, normalement, je devrais rester sur Arc Fatalis. Donc, tu vas pas bouder ton plaisir, comme c'est ton jeu favori. Et moi, il faut que je réfléchisse. Donc, je verrai plus tard une idée cadeau pour lui. Attendez. Faut que je réfléchisse. Trouver un cadeau pour l'artiste. L'artiste qui finira par satisfaire son roi. À partir de là, j'aurai plus de copains avec les trolls. Côté des gobelins, je crois que j'ai plus rien à voir avec eux. Là, les fameux gobelins de mes deux. Côté humain, il y a plein de mystères. Il y a le roi qui veut que le passage soit déblayé par les trolls. Est-ce qu'ils l'ont fait? Je peux toujours aller vérifier. Et en dehors de ça, je crois que j'ai pas d'autres quêtes. Un cadeau pour l'artiste. Mais quoi donc? Moi, besoin d'action. Non, t'auras pas d'action. Et voilà. À part, voilà, lever la herse pour que je passe. L'autre mariole, là. Non, pas d'action. Ça commence à être compliqué. Enfin, ça se complique. Là, il faut commencer à faire fonctionner des cellules grises. Comme dirait le célèbre personnage Hercule Poirot, commençons à faire fonctionner nos petites cellules grises. Ouais, il y a la grève aussi. Il y a la grève avec eux, je sais plus pourquoi. Merci. Génial, l'autre jeu... Bon, bref. Oublions. Ah oui, c'est lui qui disait pourquoi il était en grève. Oui, c'est pas toujours qu'on voit un troll à côté d'un gobelin. Je sais pourquoi les trolls sont en grève. Leur idole a été volée. Il faudrait retrouver le voleur. Un voleur? Moi avoir entendu parler idole, gobelin me dire. Toi suivre moi, moi faire ouvrir cité gobelin pour toi. Pardon? Ah, je te suis volontiers. Ah bah voilà, j'ai déverrouillé là où j'étais coincé. Je me souvenais plus dans les récits qu'il y avait une histoire de vol de... Ah d'accord. Bon bah merci monsieur. Waouh, qu'est-ce qu'il me fait là? J'ai cru qu'il était en train de commencer une chorégraphie du genre la danse d'Hélène. Je le vois faire à 360. Il dit, mais ça va pas non. Mais et il continue. L'autre il va nous faire un moonwalk. Wouh. Tranquille. Au calme. Je suis plus assez prêt. Pitié, faut qu'on avance. Oui, quoi, faut que je lui dise bonjour moi aussi en lui rotant dans la tronche. Alors qu'il a osé affirmer précédemment que je sentais mauvais de la bouche. Alors, ça gaz, gros dégueulasse. Oh, en grève, pas commerce de gemmes pour l'instant, toi pas passer. Toi pas aussi intelligent que gobelin. Mais moi d'accord pour te faire aller si t'es gobelin. Toi faire vite. Roi gobelin bientôt avoir problème. Si troll pas retourner travail. Le roi gobelin aura des problèmes? Après tout, ce ne serait que justice, vu comment vous traitez les trolls. Ça normal. Troll fort, miné j'aime, gobelin intelligent, commercé j'aime. C'est moi qui danse, en fait. Moi pas voir, moi penser. En fait, je savais pas, mais je peux bouger et interagir pendant les cinématiques avec mon perso. Donc finalement, c'est moi qui peux faire n'importe quoi. Ah, bah merci, on avance. Alors, t'as autre chose à dire, gros vilain?
Non, le jeu a crash. Oh, je voulais faire l'idiot et puis le jeu qui me punit. Non. C'est quoi ce crash? Ah! Ah non, ça a décraché et il m'a encore insulté. Bon, bref. Attendez, je vais sauvegarder. Ok, ok, ok. Bon, je vais sauvegarder. Ou alors j'ai cliqué là où il fallait pas. Je préfère ça. Excusez-moi, mais... Mystère. Allez, hop, on va prendre celle-là. Oh là là, mais quelle histoire! Oula! Oula! Bonjour. On est où ici? Bon, ils sont très très incorrects. Mais... Eh merde. Ah non, mes entrejus, ils m'ont vu. Mais je sais que vous crevez la dalle et que vous voulez me bouffer. Ouais, va mourir. Oui, bah y en a avec Terra, t'aurais dû faire le ménage chez toi, abruti. Alors, est-ce que j'ai des côtelettes de rat, là? Ah, magnifique. C'est moi qui vais me faire un délicieux raw burger. Attends, il y a plein de torches à allumer. Mais à quoi leur sert cette salle? Elle est immensément vide et elle pourrait être immensément pratique. Oh, une pelle. Oh, génial. Alors, attendez. Magie du démon! Allume-toi. Merde, il faut que je révise mes cours de magie. Mais... Ah! La dissidence n'est pas autorisée. Torche! Yeah. Suivante. Qu'on y voit quelque chose, bordelium. Yeah. Oh, c'est trop bien de pouvoir se la péter. Attends, j'arrive même pas à deviner. Il y avait pas une quatrième torche qui était pas allumée? Ah non, j'ai allumé les deux en même temps, je crois. Tant mieux. Ouais, c'est pas encore ça, mais on y voit mieux. Morceau de bois, il y a une pelle. Alors, il est vrai que mon écran est un poil sombre. Attendez, je vais régler mon téléviseur. Parce que à la rediffusion, c'est terrible, mais je voyais vachement mieux à la rediff qu'en temps réel. Bougez pas, je vais régler mon téléviseur. Image, ouais, réglage de l'image, s'il vous plaît. Mode. Cinéma, c'est déjà beaucoup mieux. Jeu, non, c'est pire. Le jeu, je vois plus rien du tout. Dynamique, naturel, je vois rien. Cinéma, c'est, je vois beaucoup mieux. Vraiment. J'aurais dû changer de mode depuis le début, moi. Voilà, là, je vois la texture du sol. Ok, ce serait dommage que je passe à côté d'objets de quête. Tout ça parce que en direct, j'ai du caca dans les yeux. Ce serait fort dommageable. Voilà. Ah, cette atmosphère. Wow. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce... Bah, ils entretiennent l'endroit ou... Ils sont vachement négligents, eux. Allez, que la lumière soit... Attendez, pardon. Merde. Yeah. Encore, je suis devenu accro. Ouais. Une autre. Oh, c'est Palace. Oh, monsieur serviteur.
Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger aujourd'hui? Ah mais les boulangers, ils pétrit la pâte. Oh là là. Comme tu dis. Alors, on tâte des miches, mon cochon? Ah ah, il n'y a que ça de vrai. T'as bien raison. Bon, bref, vous n'avez rien entendu. Waouh. Ah, j'admire les cuistots. Et il chantonne. Il m'intéresse, ce gobelin. Qui n'éclaire pas complètement sa cuisine. Mais je te rejoins au livre qui tue, hein. C'est vrai que l'atmosphère est magnifique. C'est... Ce jeu a une âme. C'est... Tout a été bien pensé, c'est... Waouh. Bonjour. Bon. Ils sont toujours aussi agréables. Oh non! Encore! Comment ça? Moi pensais de changer de toilette après ça! Ok, l'autre il a des troupes. C'est chez moi ici! Qu'est-ce que tu viens faire? Je suis un marchand de gemmes. Et vous? Toi m'appeler seigneur Atok, moi pouvoir être roi, mais Alotar tricher pendant vote des gobelins. Maintenant, lui s'empiffrer avec Gâteau toute la journée. Gâteau aurait dû être mien. Ah. C'est parce que toi, humain, que je peux dire ça à toi. Oui, bah mon seigneur Gâteau, là... Ah, ils ont des trucs. Ils ont des choses. Petite clé en métal. C'est ça, barre-toi. Merde. Vite, il va revenir. Vite. Mais mets-le dans mon porte-clé, abruti. Bon, c'est pas grave, elle est déjà dans mon inventaire. Hop, cet abruti n'aura rien vu, j'ai remis le coussin. Là, 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 je faisais la poussière, monseigneur. Bon, allez, hop. Lumière. Mais... Lumière! Mais... Que la lumière soit! Voilà, j'y arrive plus, je suis en train de m'agacer. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. D'ailleurs, il y en a même une là. Bon, hop, il y en a partout. L'autre il est hein bon aux toilettes. Il me rend fou en fait, il me rend nerveux en vrai. Sauf lui, lui il est parfait. Je veux le entendre chantonner à la en train de faire ses pizzas et ses pains là. Lui c'est le meilleur, faut le garder. J'adore. J'aime beaucoup son répertoire, vraiment. Extraordinaire. Ah ouais, mais je vais faire pareil avec les miennes, dis donc, je suis un abruti. Moi qui viens de réussir à faire des pâtes de pain. Alors excusez-moi monsieur, j'emprunte votre four. Enfin si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Merdoum. Ah. Oh, elle grossit à vue d'œil. Oh là là. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends du bruit. Non, tout va bien. Ah. Je vais réussir à toutes les cuire. La 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 la. Ah. Oh, c'est merveilleux. Ah oui. You. Alors, pour l'anecdote,
vous saurez que, gamin, quand j'avais pas 10 ans, mon premier métier rêvé était de devenir boulanger. Je trouvais que c'était un métier qui était pas désagréable. Alors moi déjà je me levais très tôt, donc ça m'allait très bien. Mais c'est vrai que c'est un boulot exigeant en physique, surtout aujourd'hui. Puis finalement, vous voyez, je suis devenu informaticien. La vie a fait que. Ah ouais, hein, la cuisson du pain, ça fait envie de faire comme en vrai, là. Qu'est-ce que c'est que ce sol tapissé en peau de bête? Oh, ce luxe. Ta-di-da-di-da-da. Oh, ça a l'air pas mal grand chez eux aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Passage qui a dû être condamné, là. Ils en ont fait une voie pour l'oxygène. Wow! Ah ouais, l'autre chiotte privative, il a sa chambre. Ah, bah tu m'étonnes qui tarte aux pommes. Mais tu m'étonnes, oui, non, mais c'est le roi, là, l'autre. Est... Oh, le luxe, est... L'autre, il s'empiffre de douceur. Il est où, le roi des diabétiques, là? C'est qui, le diabétique dans l'eau? Oh. Ouais, ouais, les quartiers du roi. Ça, c'est quoi? Allez-vous-en. Est-ce que ça correspond à la clé que j'aurais chippée? Tiens. C'est quoi? Accès restreint. Vraiment? Ah. Je vais sauvegarder parce que... S'il ne me voit pas en train d'ouvrir la serrure avec la clé... Exploration, oui, on va dire ça. Ah. Alors... Merde, c'est pas ça. C'est pas la bonne clé. Bon, c'est pas pour maintenant. Je pense pas que j'ai intérêt à faire du forcing. Un cadeau. Eh, si j'allais shipper une tarte aux pommes. Eh, attendez là. Monseigneur Glandouille de mes deux là. Je vais shipper une des trois tartes aux pommes et je vais l'offrir à l'artiste troll. Ça, c'est un délicieux cadeau d'anniversaire. J'en connais un qui va mieux apprécier que les autres le... Comme il n'y a personne qui m'a suivi. Allez hop. Voilà, j'ai gagné une tarte aux pommes. Ah. Je pense décongestionner ma situation de cette manière. Et seulement après, je reviendrai pour résoudre leur problème de grève à la noix, là. Merde, je suis perdu chez eux. Attendez, ça c'est le truc de Monseigneur Bis. Ah, je suis perdu. Par où je suis arrivé? Je suis arrivé par là, je crois. Eh, mais c'est un truc ça. Non? J'ai cru que c'était. Enfin, bon, bref. Là, 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 je me barre, je reviendrai plus tard. Hein? Là, là, là. Tu voulais dire quelque chose peut-être? Tu dois faire vite! Roi Gobelin, bientôt avoir problème! Si Troll pas retourné travail! Soupir. Le bon copain, il était là-bas. Le bon copain. Ah oui, je vois même le fond de l'étage inférieur que je voyais pas avant. Ah, oh, bah c'est déjà beaucoup moins angoissant. Merde, je suis allé du mauvais côté. Du mauvais sens. Oui, on voit l'araignée qui se trimballe en, au fond. Ça se tient, logique. Le bon copain troll, il va gagner une tarte aux pommes pour son anniversaire. J'espère qu'il va s'en satisfaire. Ça lui changera du poisson. Oh, goût sucré d'une bonne tarte, ça se refuse pas, ça. La 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 la.
Hop là. Bon, monsieur, s'il vous plaît. Et voilà. Ouais. C'est pas l'envie qui manque de lui flanquer la marque de mes semelles hein, dans son arrière-train. Ouais, celui-là. Je suis pas encore assez puissant. Comme dirait Jamel Debbouze, reviens dans 20 kilos. Et là, je pourrais affirmer ma domination totale. Il était où le copain troll? Merde, je sais plus où c'est. Ah, ma mémoire commence à me trahir. Merde. Dans la géographie des lieux, les geôles. Non, c'était pas là. Ça commence à se compliquer. Et j'en suis, je pense, qu'à même pas un quart du jeu. Va falloir vraiment que je m'accroche. Mais attends, j'ai l'impression qu'il y a une partie supérieure de la galerie que j'ai pas vue, moi. Bizarre, la formation de la grotte. J'ai pas l'impression d'avoir arpenté tous les chemins, là. Attendez. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur. Ah non, je peux pas y aller. Merde! Ah bah, j'ai eu du bol. J'ai chuté sans avoir les points de dégâts. Alors, l'artiste troll, où qu'il est? Trolloulou! Je t'apporte ton cadeau! Tu vas avoir une savoureuse tarte aux pommes! Là, qui se tapote le bidon? Mais oui, mais je sauvegardais d'ailleurs de peur de... On sait jamais, pour peu qu'il aime pas. Narration de fou, allez hop, sauvegarde suivante, on sait jamais. Que je puisse rembobiner à différentes étapes si ça merde vraiment. Tiens, pousse-toi. Non, ça, là, je l'ai jeté au visage, ça se fait pas. Tiens, pousse-toi. Que penses-tu de ça? J'ai pas compris sa réponse, j'ai mon horloge qui m'a cassé le dialogue. Alors. Apparemment, il a refusé, merde. Que penses-tu de ça? Ça, avocado. Grue toujours triste. On voit qu'à être meilleur ami que jamais. Alors, il aime pas la tarte aux pommes, il est toujours si triste, et moi, trouver meilleur cadeau pour lui. Nouvel ami Fersu et moi, hein, pour parler gobelin. Et merde. Aïe. Oh, je partais confiant avec la tarte aux pommes, moi. Eh ben, bien mal m'en a pris. Mais non, mais je veux pas acheter leur clé au... Ah. Merci, voilà, je la rajoute au porte-clé. Dans le feu du cuistot, j'aurais dû faire cuire mes côtelettes de rat. Tant pis, c'est pas grave. Je trouverai d'autres côtelettes plus tard de rat. D'ailleurs, oui, je vais les regrouper là parce que j'en ai 6 finalement. Voilà, regrouper, j'ai libéré une case d'inventaire. Voilà, je reste comme un nigaud devant lui parce que je suis en train de me creuser la tête. Il veut quand même pas un bijou, enfin une pierre précieuse. Que penses-tu de ça? Non, visiblement il s'en fout. Une dague, une épée. Non, je pense pas qu'il aime les épées, c'est un artiste. Que penses-tu de ça? Ça, pas mon cadeau. Rue toujours triste. On voit qu'à être meilleur ami que Chabon. Je vois pas. Bon, c'est pas maintenant que je vais résoudre son histoire de cadeau du jour, là. Je suis navré, mais... Bizarre.
Les bizarreries dans le décor. Merde. Et puis les lieux m'intriguent. Ah, ou alors c'est moi qui ai mal lu la profondeur. C'est bizarre, j'ai le sentiment qu'on peut aller... Attends. Je mémorise en conception 3D là, les lieux là. Mais oui, mais il y a un endroit où je peux... Mais il y a plein de trucs derrière, oui. Pourquoi je peux pas atteindre l'endroit? Il y a beaucoup plus de profondeur de champ que prévu. Pourquoi je peux pas faire le lien entre cette jonction et l'autre derrière? Et je me souviens qu'à un moment j'avais chopé un... Merde, c'est pas bon, je vais me foutre un coup au micro. J'avais chopé un truc de lévitation. C'était dans la fosse où il y a l'araignée là. Mon plan des lieux, elle dit quoi? Mais oui, il y a une énorme zone que j'ai pas explorée. Il y a quelque chose au-delà de la paroi. Merde, range-moi le bouquin. Merci. Merdoum, je fais comment? Je peux pas escalader le... Est-ce que... Ah oui, si, mon perso fait des sauts. Mais je pense pas que ça fonctionne comme ça. Faudrait que j'arrive à monter, là. Alors, vous savez quoi? Je vais aller dans la fosse à l'araignée chercher le truc-muche de lévitation, faire une sauvegarde, et je vais tenter de le faire ici. Parce que là, je suis persuadé qu'il y a une grotte derrière, il y a quelque chose. Quoi, je sais pas, mais... C'est trop bizarre quand il se déplace comme ça, mon perso. En plus, j'ai mis. Il fait un effort tel qu'il est en train de... Bon, je vais me déplacer naturellement parce que c'est surnaturel. Cette scène ne veut plus rien dire. Ah là 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 là, Arx Fatalis. Que de mystère. Que de mystère. Je vais pour la 157e millième fois retourner sur mes pas. Hein. Humour. De toute façon, le jeu a dû être bien étudié pour qu'on fasse des allers-retours. Mais avec l'élégance à la fin d'avoir des portails de téléportation comme on l'a vu. Les espèces de tipis là. Noir et or. C'est qu'à la fin, à mon avis, il y a tellement de trucs à faire à droite à gauche que vaut mieux se téléporter que se coltiner tout à pied. Je pense que ça se termine comme ça, avec la magie du démon totalement maîtrisée. Bon. Ah, il a des sous verts. Oh, incroyable. Il a plus 1 en intelligence, le mec. Il a compris que je faisais plein d'allers-retours et qu'il valait mieux les sous verts. Oh, mais il va pleuvoir des grenouilles, comme dirait ma maman. Ah, un miracle. Comme quoi, faut pas désespérer. Ça parle mal. Ouais. On va se patater avec l'araignée. Alors, rebelote, je vais re-sauvegarder. Pardon de ma paranoïa à la sauvegarde, mais bon. Au moins, on avance à bon rythme. Ma réserve, non. Je vais changer de nom de sauvegarde. Je sais pas. Lévitation. Et encore, j'espère qu'il prend ma saisie. Ah oui, il a accepté ma saisie complète. Incroyable, mais vrai.
Nous sommes en quête du sort, lévitation. Je le maîtrise point, mais j'aurai le parchemin. Squelette qui n'a rien sur lui, visiblement. Oh, il y a des trucs en bas. Ouais, non, bah, mais je descends, je remonte plus. Allez, les vilaines bêtes, venez. Venez par ici que je vous terrasse. Bon, désolé, hein, ami arachnophobe. Alors, ni elle, ni moi n'arrive à les atteindre. Ah, là, c'est bon. Si j'arrive à les buter sans me faire mordre et empoisonner, ce serait génial. C'est bien parti, mais il faut trouver l'angle d'attaque. Mais... merde. Ah merde, j'avais réussi à les toucher une fois. Je peux bien les toucher deux fois, non? Oh là là! C'est très aléatoire comme, comme approche. Mais non, mais ça fait débile, là. Faire un projectile normalement, non? C'est tout? Mais c'est nullissime ma magie. Je suis déception. Mais j'ai réussi à les toucher les premières fois, pourquoi j'y arrive plus? Bon bah tant pis, hein, je vais bouger. Voilà, là elle a giclé la grosse. Merde, la petite m'a empoisonné. Pas de vache. Alors. Attendez, attendez. Avant même de faire la fouille des lieux, je vais m'assurer qu'elles sont toutes mortes, au moins je serai peinard. Il y a plein de choses par ici. Ah, je ne suis pas allé par là. On défonce la toile, désolé. Boum. Ah, je remonte à la civilisation. Ok. Donc, la toile défoncée. C'était quoi l'autre chemin? C'était en face. Oh, il y en a d'autres. Mais merde, Oum! Oh, bah, elle m'a fait mal. Hop, elle gicle et elle aussi. Allez, hop. Peau de vache. Ça continue. Heureusement que j'ai bien mangé, hein, j'ai beaucoup de vie. Alors après, je vois qu'il y a une échelle, mais je peux pas m'en saisir. Merde, non, oui stop. Non, je peux pas m'en saisir. Cul-de-sac visiblement après ça. Je peux pas aller au-delà. Je pense pas non plus que ça vaille le coup que je gâche une torche. Je vois à peu près, j'ai cette prétention. Donc, tu vois, la torche, elle est... Sauf si un des malheureux a une torche sur lui. Alors, bien mémoriser la couleur du... Lui, il a des os. Oh! Encore un autre anneau non identifié, décidément. Une torche à nouveau, et c'est tout. J'ai fouillé tout le monde? Je suis pas sûr. J'ai fouillé en premier, évidemment. Et c'est lui qui a été le plus généreux, c'est le dernier. Ok. Bon, bah écoutez, on va. Que la lumière soit.
Y a rien. Cadavre suivant. Y a rien. Là, y a un crâne classique. Là, y a une fougère. Oui, je vais la prendre parce que j'en ai déjà dans l'inventaire. Donc, je vais pouvoir cumuler si elle veut bien cesser. Cueillir. Elle a bien voulu se lécher. Cueillir. Ce qui fait mon affaire. Je vais me rendre ma boule. Il y avait rien dans le. Non, il y avait rien. Alors, lui, il a rien. Les araignées, elles sont mortes. Et c'est bien fait. Là, il n'y a rien dans le chariot. Là, elles sont mortes. Là, il y a des. Oui, bon, la fleur, je vais rien en faire. Là, j'ai le nonos. Attends, j'ai cru oublier un truc sur le truc. Non, c'est pas possible. C'était du moisi. Lui, il a rien non plus. Mais c'est pas là que j'avais trouvé un parchemin de lévitation la dernière fois. Je m'étais arrêté sur cette scène macabre. C'est gozo. Une herbe médicinale. Ah oui, j'en ai déjà dans l'inventaire. Faut que j'apprenne à faire des potions de soins avec. Squelette. Oui, c'est lui qui avait la lévitation. Dont une potion de soin. Très bien. Lui, il a que des vieux os, mais je les prends parce que c'est des armes basiques. On sait jamais si je me trouve à poil au niveau armement. Ça peut toujours dépanner. Ah, puis ça, c'est un mur instable. Trop solide pour moi. Ouais, pour le moment, c'est trop solide. Mais viendra un jour où... Kamehameha blum. Tiens, le Kamehameha, je l'ai appris récemment dans Dragon Ball, là. La super attaque des Super Saiyans. Le Kamehameha a été inspiré par le nom du seul roi de l'archipel d'Hawaï. Une pensée pour eux, hein, ils ont eu un terrible incendie sur l'une de leurs îles où il y a eu des centaines de morts. Paix à leurs âmes. Kamehameha était l'unique roi en l'an, je sais plus, 1900, je sais plus quoi. Le roi de l'archipel d'Hawaï. Mais ensuite, ils ont. Après un moment de flottement de régime politique, ils ont demandé à adhérer aux États-Unis d'Amérique. Et il se trouve qu'ils ont été le deuxième état après l'Alaska à être un état des États-Unis d'Amérique à ne pas être mitoyen avec un autre. Puisque étant un archipel au milieu de l'océan, ça se comprend. Mais je savais pas, c'était le seul nom, voilà, vous saurez, culture générale, qui a été le seul nom de l'unique roi de l'archipel d'Hawaï, c'était Kamehameha. Ça m'a bien fait rigoler quand j'ai appris. Pourquoi je vais chez les trolls, moi? Je sais même plus ce que je voulais faire. Ah oui, la lévitation, mais chez le copain troll artiste, pas le roi. Monseigneur, bonjour. Je vais comme saluer monseigneur. Enfin, monseigneur. Le messire roi. Quand toi avoir idole, toi donner idole, moi. Et troll, aidez-moi. Oui, d'accord, merci messire. Alors, idole plus tard quand moi être copain avec artiste troll. Mais avant ça, moi vouloir faire Lévitas X. Ah! J'ai une pioche, mais pas de pelle. La pelle, elle est chez les gobelins. Oh. Ou alors, non, c'est pas un trésor. C'est moi qui suis peut-être honteusement fossoyeur et je m'apprêtais peut-être à déterrer quelque chose. Enfin bon, bref. Tant de mystères, comme je disais tout à l'heure. Alors là, des pioches, il y en a, mais... Ah ah, qui a une pelle? Ça, c'est une canne à pêche. D'accord. Ok, ils ont des os.
Bon, bref, je vais sortir de chez eux parce que là, pour le moment, ça ne m'aidera en rien. Oh, je me suis dit pas que ça avait accès à ça. Ah, il aurait pu avoir un lien entre. C'est intéressant. C'est quoi ça? XXX. Ah, c'est eux qui comptent les. Non, je comprends pas leur balisage. Et là, c'est double X. Ah non, quadruple. XXXX. C'est. Je sais pas, ils ont noté leur portion. Ils ont. Oh, ce dédale. Là, il y a encore une torche au. Oh, j'ai pas fait ça, je connais pas. Pourquoi il y a de l'eau ici? On est où? On dirait une crypte. Qu'est-ce que... Attendez, mais... Oh là là. Oh, je découvre encore de ces trucs. Ça s'allume, ça? Décidément, j'y arrive pas. Ah! Ah non, ça s'allume pas. Je peux pas interagir avec. Non. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon. La 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 la. Ah, là, il y a des artistes, il y a des œuvres. Oh. Un diamant. Mais... Là, comme ça? Mais... Il est pas perdu. Attendez, il est pas perdu. Ah... Je sais pas pourquoi je me sens mieux tout d'un coup, c'est moche. Mais oui, mais... C'est bien des trucs à lumière, mais pourquoi moi je peux pas les allumer? Mais ils vont me vexer, moi, dans ma magie. Allume-toi, cochonnerie. Ah! Je préfère ça, dis donc. Oh, je m'en vexerai presque. Allez, suivant. Mais... Ah, il n'y a pas de comburant dedans, de combustible. C'est pour ça que ça s'allume pas. Ils ont pas mis de produit dedans. Oh, faudra que je leur en offre. C'est pas vrai, hein. Bon, bref. On aura des relations plus amicales après. Oui, alors attendez. J'étais passé par là, moi. On s'hyper vite chez eux. J'ai jamais arpenté ce chemin. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Moi savoir que toi, avoir chose lourde à bouger. Moi pouvoir faire ça pour toi, j'ai toi me faire sortir d'ici. Toi me troubler beaucoup. Moi avoir tout sautelé, mais moi pas penser être bonne clé, bonne serrure. Oui, alors toi, restez là. Encore que, attends, j'ai un truc pour bidouiller des serrures. On va la tenter. Hein. Bon, ce serait dommage de... Hein. Ah, investissement. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Hein. C'est impossible. Ok, c'est un échec. Eh ben, toi, restez là longtemps. Si toi, aidez-moi, moi, résoudre le problème, toi. La prochaine fois. Voilà. Vous de Dieu.
Moi, avoir plein de belles choses au mur. Moi, content à voir pioche. Voilà, faut que j'arrête de parler comme eux, je deviens débile. La 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 la. Eh ben, moi, m'en mettre plein les fouilles. Et là, je chante l'air célèbre de... Merde, c'était quoi? Ah, c'est culture. Culture générale. Un violon sur le toit. Ah, si j'étais les chéris, 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 chéris. Moi, être complètement perdu dans territoire troll. Moi, espérer... Non, mais je suis vraiment devenu débile. Ils me rendent fou, ces abrutis. Ils me rendent fou. C'est bizarre, on dirait pas qu'il y a du sang qui a coulé du pilier. C'est... Brrr. Attends. Non, il y en a plusieurs, mais... Quand il disait statue volée, parce que le pire c'est que je peux manipuler les statues. Putain, je fais nimp avec les œuvres d'art troll. Ce mépris, le mec il met le truc à l'envers. On est d'accord que je peux pas en prendre une sur moi. Non, c'est trop lourd. Bon bref. Alors attendez, je vais essayer de compléter ma carte. Où est-ce que je suis pas allé? Voilà, je longe bien les murs histoire de bien déblayer ma carte et bien voir. Merci. Pour peu qu'il y ait des pierres précieuses en plus incrustées dans les murs, ce serait dommage que je parte sans. D'ailleurs, la carte générale me dit quoi? Waouh, elle me rappelle que c'est grand. Wouh. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas tous les couloirs que j'ai fait. Oh, le bordel. Et moi, je vais aller au-dessus. Oh là 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 là. Oh. Alors, faut que je me barre de là. Ah oui, je peux... Mais c'est marrant que je... Oh oui, je me fais mal, je suis... C'est haut. Bon, remarque... Ah oui, mais j'ai plus de place dans l'inventaire. Merde. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne un os. Ah, les fioles vides. Vas-y voir que j'essaie de les remplir ici. Même avec de l'eau dégueulasse, ça marche, non? Non? Attendez. J'ai pas l'impression que ça marche. Non, c'est débile. Ce que je viens de faire est ultra débile. Voilà. Là au moins j'ai... Ok, j'ai gagné un... Ah, un espace. Voilà, une nouvelle gemme. Oh là 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 là, que des mystères. Hop, ça descend un peu. Il n'y avait rien au milieu là. J'avais cru un truc. Aïe. Alors le coup de la lévitation, je sais pas pourquoi. Je sens qu'on va découvrir un truc. Là, je remonte chez les humains, je crois. La partie ville avec le roi, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, il y a leur cité à eux. Mon copain troll artiste, il est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas.
Ah, ça fait carburer le cerveau. Est-ce que je suis allé partout? J'ai des doutes maintenant. Oh, bref. Au pire, je reviendrai errer par là, hein, si je suis perdu. Non, je changeais de niveau, pas faire de la magie. J'ai appuyé sur un bouton de souris en trop. Et voilà. Toi, le passé. Merci, merci. Je veux absolument tester la lévitation. Bon, ça en fait une promenade. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit, le jour. Voyage. Oui, en parlant de promenade, hein, je vous le dis en mille. Demain, malheureusement, je ne vous commenterai pas la nouvelle promenade. Il faut que je procède à des traitements vidéo. À un moment, j'ai eu un incident lors de ma promenade, un incident technique. Où j'ai perdu 20 minutes d'enregistrement. Alors un jour, possiblement, je retrouverai, mais c'est pas une priorité, je retrouverai les 20 minutes manquantes. Je vous donnerai plus de détails le moment venu. Et j'ai fait la bêtise avec mon autre téléphone caméra de mal tenir avec le gyroscope. Ça m'a filmé en vertical au lieu d'horizontal. Donc il faut que je fasse un réencodage avec appliquer 90 degrés de rotation. J'en suis navré. Et j'attendais qu'il fasse moins chaud pour que mon ordi fasse le calcul sans cramer. Merci de votre indulgence et votre compréhension. Donc on verra ça, je sais pas quel dimanche du mois de septembre. Mais c'est pas perdu, hein, évidemment, vous en faites pas. Je sauvegarde et j'essaye de maîtriser le dissort de lévitation. Alors, lévitation. Allez, si je peux changer le nom de la sauvegarde. Lévitation. Oh, wow. Attention. Je lévite. Ou pas. Non, je sais pas maîtriser la lévitation. Comment on fait? Allez plus haut. Comment je fais pour faire de la lévitation, là? J'ai activé le sort, mais j'ai pas l'impression de maîtriser du tout le truc. Non. Bah, je devrais pas chuter si je suis en lévitation. C'est ça qu'ils appellent lévitation. Rembourser, c'est nul. C'est nulissime, ce sort. On m'a menti. C'est une escroquerie. Mais merde, je vais aller au-delà de la paroi, je peux pas. Je vais tenter une autre ruse, mais je pars pessimiste. Je vais essayer de boiquer un peu le jeu en faisant de la fausse escalade, mais là, très honnêtement, je vois pas du tout l'effet lévitation. Il est encore actif dans mon interface. On voit l'espèce de petit trident bleu, mais attends, si je vais là, je peux pas. Non. J'ai une barrière invisible de mes deux là. Je vais passer. Je fais que passer ma route. C'est une catastrophe. Nous allons recharger. Restaurer. Lévitation. Merde alors. Comment ça fonctionne la lévitation de mes deux là? C'est nul. Pardon, je vais regarder dans le... Attendez, dans l'interface du jeu, est-ce qu'il y a une touche que j'ai pas définie? Rec-
configurer les contrôles. Utiliser action sauter, magie, discrétion, avant, arrière, gauche, droite, plancher, s'accroupir, rester accroupi. Déplacement latéral, centré, vue, vue, souris. Tourner à gauche, tourner à droite, regarder en haut, regarder en bas. Il n'y a rien d'autre. Ah, ouvrir inventaire, ouvrir un livre, fiche perso, carte, livre de sort, journal, potion de vie, potion de mana, torche. Ah, c'était. Annuler sort en cours, sort mémorisé 1, 2, 3. Mode combat, se désarmer, précédent, suivant, chargement rapide. Carte 2, ah bon, R. J'ai rien vu sur la limitation, je sais pas quoi. Merdôme. Oh, je vais tourner en rond. Ouais, 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 ouais. Alors je retourne chez les trolls et j'essaye de... Mais non, c'est là l'entourloupe pour moi. Que dit la carte? Pour moi l'entourloupe elle est là. Mais je suis comment pour passer au-delà du rocher là? Là on voit qu'il y a des trucs derrière. Il y a des cavités. Tiens, je me suis fait bobo, bien fait pour ma tronche. Ah, chambouf! Ouais, elle est belle cette sculpture. J'ai beau. Là, je peux rien faire d'autre. Bon, je vais recharger la partie. Non, là, ou alors, enfin... Je maîtrise pas la lévitation, je sais pas, je... S'accroupir, rester toujours accroupi, je suis pas accroupi. Pardon. Voilà, là, je suis accroupi, mais... L'idéal, la lévitation, il faudrait presque que je la déclenche d'ici. Ou de là, c'est peut-être mieux. Une fois que je fais ça. Oh, oh, flèche. Ça, c'est un symbole de sort. Flèche. Saute. Voilà, c'était très douloureux comme comme expérience. Je suis comment pour faire la lévitation? Je cherche, hein, excusez-moi, mais... Non, je sais pas appuyer. Ah, j'ai déclenché la petite carte, c'est pas mal. Je vois pas. Je vais pas m'acharner, tant pis, on va... Je sais pas comment fonctionne la lévitation, c'est comme terrible. Bon, oublions ça. Je vais peut-être retourner chez le roi des trolls et partir dans les méandres des galeries de sa cité parce que c'est peut-être là où je vais finir par revenir par voilà, l'autre côté naturellement. Parce que je crois que j'avais pas arpenté tous les chemins dans son réseau de galeries. Pardon. Merde. Là, il y avait rien dans la joue, là. D'accord. C'est juste pour l'atmosphère lugubre. En guise d'avertissement, le truc bien glauque. Là, j'avais tabassé tout le monde. Là, normalement, il n'y avait plus rien, je crois. Hein. Ah, se souvenir qu'il y a une arme blanche au sol. Ouais, c'était la salle de torture. C'est horrible. Et là, j'avais dépouillé les intéressés. Il y avait plein de trucs intéressants.
Non, je sais pas où ça va venir non plus, je crois. Malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Le tonneau, je vais tout prendre. Ah non, j'avais pas tout pris. Il y avait de la farine. Ah, la belle blague. Ouais, mais j'ai plus d'eau. Mais c'est pas grave. C'est le bordel. Ouais, vous savez quoi? Je suis proche de ma réserve. Je vais aller y ranger les eaux que j'ai récoltées. Ça peut paraître idiot, mais bon, je préfère en avoir trop que pas assez, comme on dit. Et comme je suis à proximité des lieux, je vais soigneusement ranger les eaux qui peuvent me servir de masse temporaire si vraiment je bousille tout mon matos. J'aurai une arme de fortune, tant pis. Mais c'est mieux que de se battre à point nu, à main nue. Pardon. Allez, dans le tonneau, je vais mettre les nonos. Si j'y parviens. Voilà, un nonos. Et de 2. Et de 3. Et de 4. D'ailleurs, je vais faire une transition. Je vais couper mon enregistrement. Et en relancer tout de suite un autre derrière pour YouTube. Ça fera un premier épisode d'une heure et demie. La suite, on verra en fonction de la durée. Là, pour le moment, Fun Fan n'est pas là. Donc, je continue peinard dans mon coin à faire mumuse. Voilà, les tonneaux sont rangés. Je pourrais reprendre la dite sauvegarde, ma réserve. Qu'est-ce que je fais? Je la mets... Je la mets peut-être en haut et puis je fais la sauvegarde de la reprise tout en bas en numéro 15. Faudrait que je fasse ça à la fin. Voilà, réserve en majuscule avec un R, merci. Je vais couper l'enregistrement pour Twitch, que ça fasse des épisodes distincts. Hop, merci d'avoir regardé.